Bonjour, bonsoir, où que vous soyez, quoi que vous fassiez. Alors, aujourd'hui, nous allons poursuivre Soma, les découvertes, la vérité, l'enfer, la fuite. Bref, tout ce qui fait que nous allons passer un très agréable moment en compagnie de nos peurs les plus profondes. Ok. Oula. Hop là. Non, évidemment, ça va me demander de faire le tour. Est-ce que... Là, je peux... Oh, attends. Ah, si. Je peux gruger. Ouais, c'est pas moi. Crois en toi. Non, je préfère croire en l'âme des cartes. C'est pour moi beaucoup plus... J'ai l'impression que je peux davantage faire confiance. Alors. Techniquement, on peut pas... aller sur ces rebords. On est d'accord. On est d'accord. Elle est très bonne, l'eau. Elle est très très bonne. Hein. C'est aussi l'une des motivations premières pour lesquelles j'y suis allé. Ok. Je sens qu'il y a... Je sens qu'il y a un genre de... d'énigme. Pour essayer de ça... Pour essayer de sortir de là. Ah, est-ce que j'ai mal au genou si je fais ça? Si, c'est demi sur 10. Sur l'échelle du genou. Et je vais faire disparaître la passerelle. Ah, ouais, j'ai le sentiment que je boitouille, hein. Ah ouais. Ah, j'aimerais bien trouver de la lumière pour y mettre mon doigt. Je boiterai moins. Ah. Yes. Ça fait plaisir d'être écouté, hein. Oh là là. Au gars, tu lui donnes ça, il prend ça, tu vois. Ça. Oui? Non? Opa! Pas l'attraction du siècle, quand même, hein. Oh. Succès déverrouillé, renoncer à mon rêve. Jamais! Ouais, comment ça, ça s'annonce mal? Flipper? Ok. C'est toi, Flipper? J'ai eu le nez creux, hein, en mettant mon doigt dans la lumière. D'habitude, j'économise tout ça. Oh là. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Ah, je m'en fiche, Willy. C'est pas lui qu'il faut sauver, c'est moi! C'est une baleine navale, je suis mort. Tu dis ça, mais t'as pas testé, hein.
À contre-courant? Bah ouais, c'est mon ligne d'eau, je fonctionne comme ça dans la vie, tu sais quoi. Oh! Ah non, c'est des poissons. J'ai pas peur, ok? Alright. Let's find Omicron. Ouh, moi aussi je sais faire ouh, hein! Faisiez pas votre malin! Attaque de Meru. Dory? Les poissons sont nos amis! Il faut pas les manger! Ouais. Et j'ai pas envie de m'en approcher, on est d'accord! Il y a un article qui dit que Jason Momoa va se teindre en blond pour Aquaman 2. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour occuper mon esprit. Merci. Ah, c'est rouge, faut pas y aller. Merci beaucoup, merci. Ok. Oh. Veuillez contacter l'opérateur. Si vous venez pour un problème de box, appuyez sur 1. Si vous venez pour un problème de chaîne télévisée, tapez sur 2. Si vous voulez régler une facture, tapez sur 3. Si vous demandez à un conseiller, tapez sur 4. Je n'ai pas compris votre demande. Des bulles. Attends, si. Faut penser logique. Ok. Attends, si, faut peut-être bouger ça. Ah, voilà. Bien sûr. Bien sûr. Évidemment. Allez. Oh. Je fais disparaître les... Ok, très bien. C'est de la magie. Alors. Vous avez vu comment j'évolue? Voilà. Génial. C'est pas moi! Sans deck! Là, ici. C'est ok. Ah, yes! Et comment je suis devenu trop fort à ce moment? Je tryhard là. Mais ouais. Je suis plus le même. Hein. Je suis un homme nouveau. Pouah. Mais c'est ouvert. Et là. Ah, yes. C'est ouvert sans fond. C'est pas grave. Ah. Bah, c'est pas déplaisant, hein. T'es ok? Hors ligne, comment ça hors ligne? Les bruits de chasse d'or. Ça fait des bruits de chasse d'or? Mais m'invite jamais à aller aux toilettes chez toi. Enfin, bien qu'on n'invite pas spécialement les gens à venir aux toilettes chez soi, mais techniquement, mais. Mais je sais pas, je sais. Mais va te demander de te faire rembourser par le plombier. Si ça, ça fait les bruits de toilettes. C'est un mais. Attention, hein. Hors ligne, toujours. Oui, hors ligne. Ah ouais, mais contactez votre opérateur si vous avez un problème de tuyauterie de cette nature-là. Hein. Oh. Ouais, très bien. Non, alors non, alors... Je refuse cette menace à l'ambiance. Aïe. Mais... Je l'avais pas remarqué... Hmm.
getting anything. I can't read him like the others. Impossible de le lire, donc très bien. Catherine? What? There you are. Where are we? Catherine. We're right next to Omicron, a smaller building connected to the main site. Can't you tell? No, my view is pretty limited. There's some heavy restrictions on my system access. Did you find a power suit? Not yet. Trying to figure out how to get into Omicron, the big building. Oh, okay. Keep up the good work. That's it? Ah, j'allais dire la même chose! C'est tout? Ah, merci! Merci beaucoup! Génial! Génial! Allez, on applaudit l'intervention de Katosh! Merci, hein! Being a talking box, for one thing. Not being human. That's not so bad. So, you're not bothered at all by not having a body? I'm getting there. You're making me feel really self-conscious. Come on, be serious. I never felt that comfortable being human in the first place. This isn't much worse. Not being able to move would freak me out. Glad you got the box and not me. Would make it a little easier to help out if I had a body, but you're doing a good job. Just figured being able to stretch a little would give you some ease. C'est comme dans la vraie vie, il faut se débrouiller que sur soi, hein. To my experience very well. I feel about it. Cette phrase n'est pas française, vous avez compris, bien sûr. Which is kind of interesting now that I think about it. J'ai pas de main, je peux pas t'aider, j'ai pas de... Hein? Oh, je comprends par contre, hein. Kath, why do you think I was mad? Why would this AI, the wild... Faisons de la philosophie, vu que vous servez à rien. I don't think we could ever know. I have my own beliefs, but nothing that can be verified. Tell me, why do you think the WoW brought me here? The WoW had a range of assignments, but they all sprung from one single idea. Preserve humanity. When the comet hit the Earth, killing everything, leaving a fraction of humanity left alive, the WoW started to compensate. It's restoring humanity. I think so, but I don't think we share its definition of human. Or life, for that matter. Là, c'est le seul truc pertinent qu'elle a dit. Le seul truc pertinent, c'est quoi? C'est quand... Are we alive? That's an impossible question to answer. We lack meaningful definitions. Just figured there must be a way to know. To know if this life is worth living. You assume you've changed so much, but have you really? I don't know. I don't feel so different. But the world sure does. I never realized how much the idea of myself depended on where I am. How do you mean? I miss Toronto. Not because my friends and family are there, but because I know where I fit in. In Toronto, I know who I am. That's an interesting observation. Mais un truc pertinent qu'elle dit en effet, c'est le fait que le WoW existait avant et depuis un certain temps. Ça oui. Deuxièmement, ce qui est hyper angoissant, c'est qu'elle a plein de choses à l'esprit, plein de choses qu'elle garde pour elle. Plein de choses qu'elle n'évoque pas. Et c'est genre super. Super angoissant. Vous savez, il y a ces artistes qui empilent les livres, les cailloux sur la plage. Avec un sens de l'inertie qui est incroyable. Et qui défie toute logique. Bah pareil. Ouais, cet endroit est tout de suite plus accueillant. Ça va être plus grande cette... Voilà. Ouais, il n'y a pas de cadavre là, c'est pas mal. Hein. Pas bien. Oh non! Non, ils veulent que je fasse de la logique! J'ai enlevé le plan? Alors, le plan, c'est encore plus angoissant du coup. Ok. Voilà. Hop. Omicron est là. On peut faire un tchac. On peut faire une droite, non? Pourquoi on ferait pas ça? C'est pas moi! C'est pas moi! Oh ouais!
Oh. Ça, c'est pas moi! C'est pas moi! Mais pourquoi tu descends pas? Est-ce qu'il faut... Ouais, il faut... En fait, il faut tout éclairer en un coup, non? Boum! Je sais pas comment je l'ai fait! Mais moi non plus, j'ai rien pigé. Je vous jure, j'ai rien pigé. Je sais même pas. Ce sorcier vaudou m'a volé l'image au gris-gris. Pardon. On m'en était où déjà? Alors, Katoche, t'as vu comment je suis fartoche? Fortoche? Fortiche? Voilà. Hein, je pense que je peux faire de la neurochirurgie maintenant. Hein. Je pense qu'on est ok. C'est le jean. Ouais. T'as des gens qui connaissent cette chanson? C'était la première chanson que j'ai découvert. Oh non, non. There has to be a way to cancel the lockdown. Have a look around the room. Bah ouais, ça s'appelle le pass sanitaire. Alors, quoi? Boomer, do we have any painkillers left? This tinnitus is becoming crippling. Sorry, we only have heavy stuff left, morphine level drugs. I'll take it. Feels like my head is about to explode. Can do, that's stuff for emergencies. Besides, Cameron thinks the ringing will settle when JR reaches 100%. Then tell him to hurry the fuck up! Should be a matter of hours. Just hang in there. Keep me posted. Yeah, well, I have this thing I need to take care of. So I'll talk to you later, okay? Sure thing, Herb. He must have overloaded his black box. Humans have black boxes? Here we do. Company policy. It records your vitals to help medical personnel treat you in case of accidents. That's how I can hear the dead. Right. Yeah, you should be able to data mine black boxes, just like the intercom at Theta. Mais du coup, ça veut dire que dans la boîte noire, il y a le code? Imagine, ça passe. Ok, ok. Oh, tu gardes le micro, hein. Qu'est-ce qu'on a? Encore? Ok. Are you hearing that witch noise? Yeah, what is that? Ok. Je crois qu'il y a un subtil indice sur le code. Assaulted. What? Why do I get the feeling that we just got lured into the back of a van? What are you talking about? Après, est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir le code, vu les capacités que j'ai à résoudre les problèmes électriques? Cinq, c'est ça? Tous les coups, je l'ai partout. Ah, yes. Parfait. Je vais ouvrir, il va y avoir le démon qui va sortir. 1985. Meuf, tu m'as séquestré ici. Tu m'as séquestré. J'ai la chanson dans la tête. Hein. Ah bah voilà! Ballet! Ballet, on y a rien, ça veut dire oui. Ou tchash. Ou ouais. Non! Oh non! Les toilettes! Piège dans les toilettes japonaises. On laisse parler l'expérience, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que ça?
Wally. Qu'est-ce que c'est que ça? Cyber Bibou. Bibou 2077. Eve. Ah non. C'est hyper angoissant là. Je sais pas pourquoi je vais là. Je me posais la même question, tu sais quoi, wesh. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un... Ok, il y a un petit brouillage, hein. Genre un ennemi là qui est pas loin. C'est dommage, aux années 90, bien sûr. Non, 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 qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Un sorcier vaudou m'a par le visage. Pardon. Balai! Maintenant, à chaque fois, à cause d'une personne dans le chat qui a dit « Ah, on dirait trop une chasse d'eau !» Maintenant, à chaque fois, j'ai ça à l'esprit. Même Mario, c'est plus immersif dans l'horreur là-dessus maintenant. Let's find that suit. Non mais c'était bien là, c'était bien là-bas. C'était bien, hein. Un. Deux. Vous êtes morts! Ohé! Dites-le à... C'était sûr. C'était sûr. Ah. Regardez, mais... C'est un peu comme s'il avait une tête, là. Playmobil, en avant les histoires. Bonne ambiance, hein. Aujourd'hui, j'ai la tête dans les baskets. Ça marche aussi avec j'ai la tête ailleurs, j'ai la tête dans le seau, j'ai la tête ailleurs. Non. Oh bof, hein. Vous avez le droit de ne pas accepter mon... Hein, ma vanne. J'ai perdu la tête dès que j'ai vu. Suzette! Suzette! Mais non! Qu'est-ce que c'est? C'est...
sais, t'as répondu, hein. Wopa, get up. On va tenter un truc de ouf que là. Pas prendre ça? Non, ok, très bien. Attends, c'est peut-être. On a pu péter une vitre au début. Hein. Ah. Ah non! Ah non! Ils m'ont piégé! Voilà. Oh. Est-ce que je peux te traverser là? C'est-à-dire que l'autre côté ça passe, mais. Oh non! Ils ont gardé à moi. The brain! Ok, là il devrait y avoir. Mais qu'est-ce que c'est? Mais non, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Suzette! Je crains le pire, je crains le pire. J'aurais pas y aller hein, dans un endroit. Franchement, un endroit anti-atomique. J'ai commencé à voir Elysium. C'est pas hyper conseillé là ce qui se passe. Ok. Très bien. Suzette! Comment cette lampe est arrivée là? Oh, c'est une vraie dépêche AFP. Là, chez moi? Absolument. Un hommage. Suzette. Oh. Oh, attends, il y a un truc là ici. Katoche. Est-ce qu'on est dans la merdoche? Dis-nous tout. C'est légendaire. You know, so we can go into the abyss without ending up like a recycled can of soda. You think we'll find one that fits me? I mean, I'm kind of in a suit already. That's been bothering me too. You know how you were transferred from Vancouver? Toronto. From then to now. How could I forget? Okay, so we do it again. You want to send me to the future? No, you idiot. I want to transfer your mind. Tu me traites d'imbécile, c'est moi qui fais tout le boulot. Look, we already know it can be done. We don't need to make it a big deal. It is a big deal, Kath. It's a huge fucking deal. There's got to be something else that can take us down there. But Dunbar at Theta was the only vessel that could take that pressure, and you saw what happened. Then think of something else. Simon, please. You don't have to switch this instant. Just. Je suis très calme. Now, if we find something else, then great. If not. I'm not promising anything. Thank you, Simon. Have a look around the room. This is where they would keep the power suits, if there are any left. Ok. Qu'est-ce que c'est? Alexa! Allume le scénario! Oh. If there are any power suits left, they should be in the locker. Rappelle-toi Maillard, sois logique. Tu as résolu tous les problèmes mathématiques dans l'univers. T'es plus après.
Y a pas de câble. Simon, look for a suit in the lockers. Non mais. Katoche, tais-toi, Katoche. Tu as trouvé les. Oh, ah, les com. Ah, t'as, très bien. Les combinaisons. Ouais, Katoche. Ouais, Katoche. Alors. Il fallait le dire. I found one of the power suits. There's a dead woman inside. At least I think it's très mauvais quand je avec les plans Ikea. très mauvais. Gross. This could work in our favor though. Look for a terminal nearby, see if you can boot it up. Playmobil. En avant les. Ah, des os. Des os Ralek. Répartitrice. Ah là, pour répartité là, on a répartité là en plusieurs parties même, hein. C'est désolé. Hop. Elle est en entier. Hop. Come on, let's activate the power suit. Ok, très bien. Combinaison cybernétique haute pression garantie pour résister à la température extérieure comprise entre 50 et 75 degrés tout en moins 75, pardon. Tout en maintenant le corps à une température inférieure de 40 degrés par défaut. La combinaison protège automatiquement son occupant de la pression et maintient à 1 ATM jusqu'à 5000 mètres de profondeur. Le dispositif de contrôle intégré surveille la condition physique de l'occupant afin de minimiser les risques de choc. L'hyperventilation, c'est à peu près ce que je ressens 3 fois par semaine, de 19h à 1h du matin, en lisant le chat. Ou de déshydratation, c'est un peu la somme de toutes mes peurs. La combinaison s'assemble facilement en faisant pivoter les... Ah oui, là pour avoir pivoté, là on l'a pivoté là. Là, le petit cric-crac qui a fait. Voilà. Pif-puf le coup. Là, c'était bif-bof. Notez que les articulations ne se verrouillent pas. L'articulation n'était pas méga verrouillée. On peut se permettre ça. Hein, cette petite pertinence-là. Est-ce qu'on va se l'autoriser? On va dire oui. Hein. Combinaisons peuvent être attribuées à des membres spécifiques du personnel. Mais par défaut, elles s'adaptent à n'importe qui. Dispositif de contrôle, t'as un ordinateur intégré qui surveille le pouls, l'activité. Alors, je suis désolé, hein, mais j'ai pas besoin de dispositif de contrôle pour avoir une idée, même un peu vague, de l'activité cérébrale de la personne qui était dedans. Hein, bon, utilise ces informations pour assurer la sécurité de l'occupant de la combinaison. Mais il y a rien qui me rassure là-dedans. Il y a rien du tout qui me rassure, parce que. Hein, est-ce qu'on peut vraiment dire que ça a assuré quoi que ce soit comme hein? Non hein. Dans la jungle, terrible jungle, le lion est. Oh non. C'était le dé, hein, c'est ça hein. C'est ça. Not exactly grade A material. Don't write it off just yet. Remember what we found out at Theta. The suit you are wearing is basically just a cortex chip working a few kinds of structure gel, powered by the on-suit battery. Ne laissez pas les bras. And a dead comet, Imogen Reed. Exactly. If you think about it, we're actually incredibly lucky. We found a suit with an already dead body inside. I guess you're right. What about the wow? What makes you think it'll play along? It's not magic, it's algorithms. A set pattern. The WoW won't be able to deny us, even if it was capable of wanting to. I'm still not crazy about this plan. It feels wrong. Okay. Please, Simon, I can't give up on the Ark. I need this to work. So we need a cortex chip, structure gel, and a battery pack. That's one hell of a shopping list. Thanks. I'll just hang around here if that's okay. I'll be back. Tudum, tum, tudum. Ok. Et du coup, niveau bras, on en est où là? Ouais, non, on peut pas y aller là. Come on, we need to get a cortex chip, a battery pack, and some structure. Ok, on va récupérer tout ça. Voilà. Combinaison cybernétique, tester, opérateur de grue. Ok.
Recevoir un opérateur de grue, parfait. Combinaison cybernétique. Enfiler les sous-vêtements en néoprène et le harnais corporel. Mercredi soir, vérifiez visuellement l'absence de dommages. Attachez les composants à votre harnais en commençant par les jambes et en poursuivant vers le haut du corps. Fixez les composants pour le dos et le torse. Demandez à un partenaire de vous aider. C'est chaud, hein, niveau partenaire. Hein. Elle a pas de bras et la pauvre catoche. C'est laquelle ? Herbert, là, c'est laquelle ? Elle est pas dessus, j'ai l'impression. Il y a 4, hein. Bah, ouais, 4, la traître, la traîtresse. Ouais, c'est ça, il y a 3 systèmes à chercher. Je pense qu'il faut juste retourner. Gel, bloc, puce, cortex. Allez, répétez après moi. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Oh. Puce, cortex, du gel. Du gel, du gel. Est-ce qu'il y a du gel? Je fais comme dans les films. Je cherche du gel. Je n'en trouve pas. Oh. Ce n'est pas ici. C'est là où il y avait le truc un peu bizarre. Oh là, oh là, oh. Oh, mais c'est ça, oh. Mais non. Non, non, non. Non, non, non. Oplostet. Qui s'appelle Rion. Que c'est les bruits autour. C'est les bruits autour, ok. Je sens que quelqu'un. Oplostet orange anormalement calme a été découvert. Oplostet. Près de la station Micron, il présentait une remarquable excroissance osseuse qui semblait influencer sa perception. Je l'ai capturé pour l'étudier, mais il n'a pas survécu. Pendant l'examen post-mortem, il est revenu à la vie lorsqu'il... Pardon. Il a alors commencé à se cogner contre les parois en verre, tellement fort qu'il était mort. Et moi, j'ai vu le film Doom aussi. Hein. Chez les morts à l'arrivée. Claudia. Elle était dans la liste. Darby et Waldeck pensent que c'est lui qui a saboté la sonde Luma à environ 900 mètres de profondeur. Il s'agit d'un centrolof noir de 150 mètres de long qui semble avoir fusionné avec un autre poisson ou un requin. Nous n'avons encore jamais vu une mutation aussi effrayante manifester aussi. La situation va de pire en pire, mais... Mais de pire en pire par rapport à tout ce qui était pire, là. Non, parce qu'il y a des trucs horribles qui se passent et à un moment donné ils disent ça va vraiment de pire en pire. L'homme trouvé mort à bord du Climber ce matin a été identifié. Il s'agit de Johan Ross, le psychologue de l'IA. L'IA qui travaillait sur Tau. Attends. Je ne préfère pas savoir ce qui s'est passé dans les abysses, et il n'est pas question que je prenne le risque d'y retourner et de prendre des hommes. Si les membres de l'équipe Ark sont vivants, ce qui m'étonnerait, ils vont devoir trouver un moyen de nous faire signer. Pas question qu'on descende sans raison, madame. Bah, tu m'étonnes, wesh. Mais ouais. Ok. Bon ! Dans la jungle. «
possible que je chante quand je suis en panique. Hein? Ne jugez pas. Secours. Là, cette pièce, on l'a déjà fouillée juste avant. On avait rien, on est arrivé par là. Ici, pareil, on a tout fouillé ici. On a tout fait, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Et tout est angoissant. Tout est angoissant. Le cortex est fragile, hein. Merci, Suzette. Hein. Merci beaucoup. Oh non, oh non, mais encore de la louche. Non, en plus, je suis nul au démineur. J'ai jamais rien compris au démineur. Rien. Je comprends même pas comment ça peut exister et ça peut se faire appeler jeu. Des talents cachés, tellement bien cachés que même moi je sais pas que c'est des talents. Merci de reconnaître que c'était extrêmement dur. Merci, 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 merci. Sachez que pour quelqu'un qui n'a absolument aucune logique, c'est extrêmement compliqué. Levé de confinement. C'est de la fiction, hein. Qu'est-ce que c'est que ça, moi? Ah? Celle qui était dans l'armure et qui s'est fait playmobiliser. Ok. Alors bon, hein, on transporte l'âme et la conscience à travers l'espace et le temps dans des robots. Par contre, dès qu'il s'agit d'enregistrer des trucs, c'est sur des cassettes, hein. Hein, sans vouloir paraître critique, hein, bon. La souris pour la personne qui voudra consulter l'ordinateur. Je suis vraiment trop diabolique. Hop. Yes. Va pour utiliser l'ordi maintenant. Est-ce qu'on peut casser le. À la une. À la deux. Ah. Vous avez dit que j'avais pas de logique ou pas? Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ces bestioles? Tous ces viewers maintenus dans des bocaux? Ah, il va falloir encore débrancher, rebrancher. Il y en a que des poissons super chelous. Ok. Bon, après avoir trouvé l'astuce pour ouvrir la salle, on va progresser. C'est du gel, ça! Mensonge! Ok. Mais non, il y a encore. Oui, il y a un 3 lumières. Je mettrai pas tout de suite le bras. Je vais attendre un peu. Ok.
qu'il y ait du désir, tu vois. Donc là, non. On va pas y aller. Là, c'est non. Qu'est-ce que c'est que là? Oh là, oh là. Ok. Tu vous êtes? C'est quoi ce bruit? On dirait qu'il y a quelqu'un qui chouine. Il y a un truc qui agonise et tout, ouais. C'est là? C'est vous, madame? Lisez Cameron, le gel structure a été chargé pour continuer à agir un moment. Même après avoir été retiré d'une source d'alimentation lorsqu'il est appliqué à des circuits, il semble favoriser la connectivité. Outre la connectivité, le gel semble aussi agir sur la fonctionnalité. Il alimente les appareils simples et renforce leur efficacité. Mais les modifications apportées au gel par le WOW regorgent d'informations supplémentaires, pas toujours pertinentes. Lorsque le gel est appliqué à un appareil plus complexe, il agit comme un cancer sur l'hôte et finit par le détruire. Nous pourrions utiliser le gel à notre avantage, mais il doit être désétalonné. J'ai administré le gel à une souris morte qui est revenue à la vie. J'ai ensuite placé celle-ci dans la cage d'une souris vivante. La souris réanimée était apathique. Tandis que l'autre individu semblait stressé. Mais sans deck. Ah bah t'es revenu à la vie. Oh, ça m'interroge quand même. Mais non, mais les trucs qui apparaissent, nous souffrons. Au bout de 15 minutes, la souris réanimée a attaqué et tué sa congénère. Une demi-heure plus tard, la souris réanimée a cessé de bouger. Son cadavre était solide car le gel avait durci. J'ai réanimé notre souris avec du gel structurel. Cette fois, j'ai utilisé le gel désétalonné produit par... Ems. Les résultats ont été particulièrement impressionnants. Écoutez. Ah, les messages subliminaux, ils sont... ouais. Vous voyez pas que je suis en train de lire? Le spécimen semble catatonique. Mais c'est plus qu'un somnambule. Pour éviter qu'il durcisse, des électro-aimants font circuler un faible courant électrique dans le corps de l'animal. Cela nous a également permis d'exercer un certain contrôle... Oh là... Fondamentalement parlant, le gel structurel reste inchangé. Il s'agit toujours du gel réticulé. J'ai pas lu celui-là de message, si on peut me le dire. Aligné dans une matrice polyinstaurée qui a été installée sur Pathos 2 il y a quelques années. Le problème, il n'est pas le gel. Isoler le virus? Ok, oi. Mais celui qu'il contrôle, le WOW. Les propriétés du gel sont les mêmes que le WOW qui se contente d'utiliser sous des formes auxquelles nous n'aurions jamais pensé. Des preuves accablantes nous permettent de conclure que toutes les créatures mutantes, les poissons, les requins et même les assistants... C'est une catégorie. ...ont été manipulés par le WOW au moyen de gel structurel. D'une manière ou d'une autre, ils ont tous été exposés à du gel chargé puis victimes de tumeurs cancéreuses qui ont été envahies qui ont envahi tout leur organisme. Et tout a commencé peu après l'impact de l'astéroïde. Je ne peux affirmer avec certitude qu'il s'agit d'un code défaillant ou d'un acte prémédité, mais notre survie risque de se compliquer. Oh.
Non, ils veulent que j'aille là-bas. Hein? Oui. Mais ouvre-toi! Ok. J'ai jamais vu cette vitesse. De croissance, je présume. Ok. Mais non. C'est pour ça qu'il faut pas se doucher, les enfants. Ne vous douchez pas. Voyez les risques que ça produit. Jamais, jamais ne vous douchez. Ok, il faut que je répare. Merci. Et donc... Je présume qu'il faut, il faut passer un coup de laser. Non, mais je vois pas ce que vous voulez en venir. Eh bien, va falloir songer à y penser. Ok. Attends, si. Je fais passer dessus, comme ça, et j'appuie sur le... Voilà. Came back to life. Something like it. C'est fou les... ce que ça peut faire comme... comme effet. Ouf, ce que ça peut faire comme effet. Et là... Est-ce que je vais pas pouvoir le reprendre? Le gel, est-ce qu'il peut... Oh. C'est vraiment ce qui a pris place partout, hein. Le circuit a pris vie. Ok. On a du gel. Et... Attention. Faut qu'on lui donne un nom, maintenant. On va l'appeler... Comment on va l'appeler, hein? Comment on va t'appeler, cette question? Oh, Suzette. Ah, c'est un peu dégueu. C'est pour ça que j'aime bien.
Mickey, oh. Mickey 2033. C'est ok, Mickey. Mickey avec une perche à selfie. Il y a quand même un bruit chelou, hein, quand même. Hein. Bon, on a tout fait. J'ai une capeur à faire là. Hein. Allez. Go. C'est aussi ragoûtant. Tu dis ça par rapport au hamster? Oh, il y a un truc qui se couine. Et là, il va rapatrier. Le rat avait une puce, c'est tout à fait vrai. Et pourquoi ils mettent des disques vinyles, des platines vinyles dans des micro-ondes? C'est possible hein, que le rat tout à l'heure avec la puce implique qu'il faille l'arracher. Du coup, déconnecter le rat. C'est-à-dire que le rat, il est mort. Et en plus derrière, faudrait le... Oh. Le retuer. Ok. Très bien. On est au-dessus? Mais oui, on est au-dessus. Ok, il fallait qu'on choisisse. Très bien. C'est le Alexandre. Ok. Il y a beaucoup de choses très intuitives. Hein. Cortex! Je ne le trouve pas! Ce que je trouve qui est vraiment très chouette, c'est qu'il y a absolument plein de niveaux qui sont inutiles et qui ne servent à rien. Plein de choses, plein d'objets, tout ça. Ça contribue énormément à l'ambiance. Qui peut même pas porter de chapeau. Ok, il faut mettre deux trucs là. Vous le sentez arriver le truc ou pas? Est-ce que vous sentez le truc arriver? Oui, mais bien sûr qu'on le sent, évidemment. Suzette!
monsieur me dise. Et il est debout. On voit des pieds là. Hein. Non! Je voulais pas allumer la lumière, pardon. Il a l'air de souffrir, mais d'être une menace aussi, hein. Attention. Quand je renifle, là. Pardon. On prend le risque d'y aller ou pas? Non, non, pardon, 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 pardon. Watch out! D'autres endroits, hein. Ah ouais, c'est tellement, il y a d'autres endroits, ouais, 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 ouais. Je dois retourner, très bien, ok. C'est vachement mieux ici. Et leur tête a disparu, elle a fait pif buf. Hein. Mais regarde. Allô. Echo. En charge médicale, mariculture avancée. Mariculture, c'est pour. C'est un truc avec Tinder? Pas compris. Ok. Rien. Oh, en plus, je suis sûr qu'il y a un truc à faire là-bas, quoi. Vous voyez les jeunes, ne restez pas trop longtemps devant les PC. Ça passe mieux, hein. Je veux pas savoir la posture qu'il a pour consulter. Johan Ross was found dead on the climber this morning. The ARC team went down a couple of days ago, but I see no reason to suspect them playing a part in his death. The climber can't be operated from the abyss, so there was a scheduled retrieval. The climber returned with only the lifeless body of Alpha member Johan Ross.
traces of the ARC team. Cameron, Eames, Lansky, all studying the body inside containment. I'll follow up with whatever they find. Delenda S. The WoW has been getting more aggressive, pushing all systems to their limits. Oui, enfin, il y a plus de tête quand même sur le niveau d'agressivité. J'ai presque envie de dire que voilà quoi. Such a big buzz about his passing. After all, the WoW isn't supposed to want anything, and definitely not to mourn people. The system overload affects the staff considerably. Headaches, loss of sleep, unwarranted stress. And it seems to be getting worse. I could use some advice if you can get through. Delenda Est. Things are out of hand. The staff looks like they're about to explode. Every other person walks around with nosebleeds, and the rest keep wiping stains of blood from their eyes to keep them from overflowing. Le nez qui saigne. It's to do with the WoW trying to free Ross somehow for sure. At this point, I wouldn't be surprised. On va me cautériser tout ça, hein. Raleigh Herber, our dispatcher, has been snooping around. Raleigh Herber, la répartitrice, c'est celle qui était dans le. Dans la combinaison. Et qu'on a déglingué. Ah ah ah. Je me suis entraîné pendant des années dans Phasmophobia. Seul le pénitent le passe. La séquence va être complète là. Attention, on recule un tout petit peu. Oui, ah non, non, je sens que tu essaies de m'avoir là. Ouais. Non, je sens qu'il y a. Qu'il y a Earlty sous roche. Obligé d'aller faire la suite. Oh. Tranquille. Oh non. Batterie, c'est ça qu'il nous faut. Et ça doit être à côté de lui. De retenir sa respiration, s'il vous plaît, merci beaucoup. Il faut éviter tout ce qui est clé à molette, tout ce qui est passage. On peut pas s'enfuir ici par l'aération. Il faut qu'on esquive tous les bruits. Ouais! La lumière, c'est non! Rester debout, c'est non. Michel! Si je crie, je vibre. Mais c'est pour vous que je vibre. Oh.
C'est QFD, c'est pour vous, j'écris. Pourquoi je l'ai mis au milieu du chemin? Je suis en train de faire mes genre 200 mètres pour poser un foutu saut pour pas que ça fasse du bruit, pour pas mourir. J'ai la tête dans le saut. Michel! Playmobil en avant les histoires. Pas rien au milieu, rien. J'ai l'impression d'être Tom Cruise dans Mission Impossible. En train de ramasser la goutte au dernier moment. Pas ramasser les sachets de thé. Pardon. Oh, je m'ai coincé. Pas du tout, hein. Ok. Comment je fais maintenant? Comment je fais? Peut-être essayer de faire ça. Ouais. Vas-y, au milieu. Oh. Elle est au milieu du chemin. Je peux peut-être tenter un dodge, hein. Je peux peut-être tenter un ballon prisonnier. Parce que je suis obligé de passer par elle. Thank you.
Après, j'ai l'impression qu'elle fait du 1, 2, 3 soleil. J'ai l'impression qu'il faut plus bouger à ce moment-là. Soleil. J'ai envie de tracer. C'est pas si compliqué. J'ai la batterie. Dans tous les cas. Le cadavre est plus là. Oh, on va voir ce qu'il y a à nous dire. Hein. On va continuer de danser. Oh, je suis pas bien là. Hein. Oh, on va voir s'il va changer ou pas. Moi, j'arrive pas à la batterie, donc. M'induis pas en erreur par rapport à ça. On va voir ce qu'elle dit, la catoche. Ouais. Il faut récupérer juste une puce. Donc, info chat. Hein, bon. Là, c'était tout dégueu. Niveau inférieur, il y a. Ah oui. Bah voilà. Mais non. Yes. Okay. Michel. Oh mais non, attendez, mais. Mais non, je me suis pas intéressé aux conventions, mais j'aimerais y retourner. J'avais déjà envie de le faire avant le confinement. Donc, si il y a contact avec des organisateurs de festivals, ce sera avec un immense plaisir que je retournerai en festival. Beaucoup de choses à dire. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? On dirait... C'est ce qu'ils font de la couture, on dirait une énorme singère. Attends, qu'est-ce que c'est? Oh, scheisse! Ils font encore de la logique! On est foutu! Ok, mais... Okay.
Ouais. Non, c'est ouf parce que c'est une machine. Et je suis en PLS devant ça, tu vois. Éjecter cortex, ok. Oh non, et on l'entend souffrir! Et on lui a... C'est un robot, hein. C'est ouf l'ambiance que ça fait, c'est... Ouais. Et voilà, il souffre plus. Ça se suit toujours autant, c'est très agréable. C'est horrible, ouais. Il est venu dans ma vie. Ah! J'ai jamais croisé de cadavre. Strasky, are you there? I hear you, Herbie. What's up? Just wanted to check in. I have to go do something. I might not be around for a few days, okay? Rally Herbie leaving the listening post? Must be important. Ouais, pour avoir quitté le poste d'écoute, elle l'a quitté, hein. Okay then. Stay safe. Ouais, stay safe, hein. Check in before we pass the last working loom arc probe. Oh non. Guys, any last words to Omicron? Ça va pas fort fort, hein? Don't worry, we won't forget. Alright. Heading into radio silence. Non, mais c'est quoi ce bruit là-dedans? Tao, please respond. This is Rally Herber calling from Omicron. Comment on a l'air d'aller super bien? Please respond, Tao. Unable to connect. Lumar relay out of range. Si vous avez un problème de box, appuyez sur 1. Oui, oui, je comprends. Ah, SFR, le retour de la vengeance. Unable to connect. Lumar relay out of range. Prenez le gel. Bah oui, mais c'est ce que je fais. Hein. Ok. Je suis colère. Tiens, c'est pour pas que tu t'ennuies. Spoiler sur la fin de... Ce qui s'est passé avec... Hein, vous savez. Oh, c'est le gel. Qu'est-ce que c'est que ça? Franchement, avec les bruits en plus de machouille, machouilla... J'ai pas envie de mettre mon doigt dedans, je... Ah, jamais le premier soir, voyons... Puis j'en ai pas besoin, j'en éprouve pas le désir. C'est bon, hop, on y va. C'est bon, j'ai tout pris. Attends, qu'est-ce que c'est ça? Soigne tout, mais j'ai pas besoin de me soigner, je me suis déjà soigné là. Ouais, je suis tout colère tellement j'ai soigné là. Ça, ce qui est en train de se passer, ce qui vient de se produire à l'instant même, c'est juste insane. Il y a eu la sauvegarde automatique.
J'aime pas trop, hein. Non mais quand t'as une sauvegarde automatique, c'est comme dans Resident Evil. Quand t'as un checkpoint avec... genre moult armes... là il va... Michel! Bonne et mauvaise nouvelle. La nouvelle, c'est que je peux récupérer mon extincteur. Bien sûr. En fait, ce qui m'avait induit en erreur, c'est que l'entendait elle. Deux, trois, saut. Et là, ce qui m'a induit en erreur, c'est que je l'ai pas surveillé. J'ai cru qu'il se déplaçait. Genre là, maintenant, il va venir. Et je vais arriver dans le couloir, il va venir en mode... Mais c'est pas vrai! Mais non, 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 non. Oh, mais non, moi. Il faut que je ferme la porte. Off another one of Wild's monsters. We have everything we need, right? Yeah. Let's go. C'est dégueulasse ce qui vient de se passer. Au passage, hein? Il n'y avait plus de tête, on lui a fait. On lui met un cortex. C'est fou. Don't worry, it'll work. J'ai une pièce si vite. J'avais une fermée de porte aussi vite. Make sure it's all bunched together with the structure gel connecting all the parts. Alright, try activating the seat from the terminal again. Playmobil, en avant les histoires.
Les trapèzes très tendus là. I can't believe we're doing this. It will be fine. Then why don't we put you in the suit? I was gonna suggest that if you refused. You'd go without me. I need to do this, Simon. This is important. I need to launch the Ark. You'd really do it. Change body. Yes. If you want to stay here, I'm not gonna stand in your way. I don't want to tell you what to do. What would it be like before? Close my eyes and then... And then open them again. All right. Let's do it. Thank you, Simon. Mais go sit in the pilot moi. Seat in the next room. You might need to boot it up. Mais non. C'est le futur moi. Je serai Raleg. C'est juste pour savoir si j'aurai un... Ah non. Non. Je voulais pimper mon perso. Non. Bon, je vais quand même nettoyer l'armure avant. Je vais quand même pas prendre une armure dégueulasse. Alors, maintenant, ok. The activity manifested by your current cortex chip, run it through the amplifier, feed it into the new chip, and then make sure it's synced. You lost me. Et ça fait depuis quelques heures que j'ai pas tout compris, really mais c'est ok. Just make them line up. Inutile de te comprendre. Si seulement on pouvait vous le dire pour de vrai dans la vraie vie. Voilà, voilà, hein. Ouais, là on est ok. Et that's là, c'est parfait. You can climb into the pilot seat now. Already? I have everything under control, so please have a seat. Pas besoin qu'on me drive. J'ai besoin de saisir le sens, en fait. Oh. J'aime pas le picto, toi. Stop messing around and sit down in the pilot seat. Oh. Désolé pour le manque de confort. Je pense qu'il y a d'autres trucs sur lesquels tu peux être désolé. You know, Indians thought photos would steal their souls. In this case, they'd be right. Mort de rire. C'est moi qui fais de... Oh, aïe, aïe, aïe. What was that? No, it's just... Why was it still talking? Bah ouais. It's the same like before. Catherine, why was he still talking? Mais non. You know that. What do you mean? You know it's not magic. You were copied. The sleeping Simon and the sleeping... Mais non. Just like Simon picked up. God damn. Kath, two Simons? There can't be two Simons. What did you think would happen? That you were gonna take my mind and put it into another body, like a brain transplant. I'm sorry, it wouldn't work that way. You realize how messed up this is? Please, I didn't mean to upset. How did you expect me to react to this shit? Please stop. You're fucking disgusting. Ils ont pas traduit tous les mots. What's gonna happen to him? He'll sleep for a while. Il va... And then what? Wake up in this fucking nightmare again? All alone? Dormir. Oh, so cruel. Well, what do you want me to do with him? Make friends? Let him know that we have to leave him behind when we go into the abyss? What if... What if he didn't need to wake up? You do that? I don't know. Maybe. There. I set it up for you. Hit the switch if you want to drain his battery. He'll die within a minute. I'd rather not stay plugged in any longer. On me demande de le tuer. De me tuer. C'est moi ça. Ben non, je veux qu'on vive ensemble et qu'on fasse des enfants et qu'ils soient tellement bizarres que ça nous rappelle le Nord. J'ai pas envie de le tuer.
J'ai pas envie de le tuer parce que j'ai envie de me dire que il a concrètement autant c'est le droit de vie que moi. Moi, ce que je fais, c'est pour atteindre un objectif. Et qu'il est assez grand pour décider s'il veut continuer ou pas. Tue-le, il subira la même chose que toi maintenant. Comment ça? Il a le droit de vivre comme moi, en fait. Il a fait tout ce qu'il a fait. Qui suis-je pour lui dire de ne pas vivre? Qui suis-je pour décider à sa place? Techniquement, je décide à sa place. On est deux. Donc, à partir du moment où on est deux, on est plus d'un. On est plus d'un. Donc, il n'est plus moi. Il reste lui. Je reste moi. Je suis devenu quelqu'un d'autre. Je vais, par définition, être quelqu'un d'autre pour la simple et bonne raison que je vais vivre quelque chose de différent. Je reviendrai te sauver. Et tu auras... la vie que tu pourras avoir ou que tu décideras. Est-ce que ce monde vaut la peine d'y survivre? Mais n'importe quel monde mérite d'y survivre, en fait. T'entends, Katosh? C'est que tu peux pas le plaider sur rien d'autre. Oui, mais peut-être que je trouverai la solution. Peut-être. Cela aurait été Fred, j'ai pas hésité longtemps. Alors, petit indice. Je ne suis pas Fred. Alors. Le peu de ce que j'ai à vivre, si j'ai envie de le vivre avec de l'espoir, c'est mon droit le plus strict. Et c'est ma façon de voir les choses. Et ma façon de voir les choses, notamment quand il s'agit d'espoir, prévaut sur absolument tout le reste de l'univers. Il fait quand même vachement noir quand même. On se sent vachement seul quand même. Oh non, 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 j'ai glissé. Rappelez-vous l'espoir! J'ai fait un gros discours à l'américaine avec les cheveux dans le vent comme ça, avec la caméra à contre-plongée, et tout le monde a fait assez. C'est tellement beau! Et puis après, je fais, oh non, un trou! Ah! Are we done here? Yeah. On est terminé là. Oui, j'ai testé l'autre endroit, c'est parce qu'il est pas là où il fallait. Ah, sans ça, moi c'est. Passager 5? Attends. Si je me mets là, ça va être chiant pour tout le monde. Parce qu'avec les normes sanitaires, c'est-à-dire qu'il y a une personne là et une personne là, je vais bouffer grave de la place. Et je m'assois les jambes écartées. En qualité d'homme blanc cisgenré. C'est bon? On est arrivé? Ah! Ah, très bien. Passager 1. Descendre, monter, arrêter, descendre. Oh là là, ok. C'est bon? On arrive. Oh. On arrive bientôt. Ah.
Ah quand même. Non 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 non, laisse-moi m'asseoir. Je voulais choisir ma chaise. On est arrivé. Michel. C'est un luck, right? Coup de bol. I woke up in the right body. Pas toujours. It's a redundant copy. I'll never experience my journey, the full journey. He wouldn't understand. How could he? But I couldn't do it, and you knew it. You were right in trying to hide him from me. Only wish you'd done a better job. I basically flipped a coin, and if I had called the wrong side, I'd be rotting away at Omicron. I mean, there's nowhere to know, right? You didn't hit the make sure Simon wakes up in the right body switch, did you? Not that you would know. I mean, he would still claim to be the right Simon. Christ! This is awful. We did an awful fucking thing. And you wouldn't mind? Why would you? How could you know that it's not me, the me that I am, the same that I've always been? Let me say something. I don't want to think. Please. I don't know what to say. I don't want to upset you. Say anything. When I was little, I used to climb the stairs all the way to the top of the building. And I could still feel how I had to, you know, tuck my arm so I could push the heavy steel door open. Well, the first time that I dared go up there, I stepped out onto the roof and watched the smog rise and fall over Taipei. I got all the way up to the corner ledge and, you know, I felt the warm wind in my hair and the sun was setting and the streets below were shadowed by the tall buildings. The people pushing through the crowd flowed like paint from an artist's brush. Street food vendors filled the air with aromas of all my favorite foods. For a brief moment, I felt connected to the world in a way that I never had before. It was the most profound feeling of comfort and sense of belonging I could ever hope for. I really never felt the same way again, but I went up to the roof many times after. I'm not religious, but I can see why people would be. The privilege of being makes a strong case, at least every once in a while. Do you still feel that sense of awe? Even like this? Things are different, but we're still here. What's the point of going on? Everyone's gone. All the people still left are digital copies trapped in computers at the bottom of the sea. We'll never be able to rebuild or reclaim what we were. Are you really so unhappy being what you are, or is this about the man who went for a scan 100 years ago? Both, I guess. When I was back in Toronto, even the worst case, the darkest futures I could predict, they at least included my previous life somehow. I feel so uprooted. There's nothing here that I recognize, nothing that makes me feel like I belong. Even if we make it to the Ark, would it be any different? I'd still be alone. No friends. No family. You could make new friends. I'm sure everyone would like to know the time traveler. If not, you still have... Mon Dieu. Katosh? Katosh? Hello, Catherine. What happened? Ok, Katosh. J'étais tellement immergé dedans. Je trouvais ça tellement superbe. Enfin, superbe. Pas au sens c'est beau, mais au sens immersif. La musique qui passait, les échanges qu'ils avaient, les thèmes sur lesquels ils étaient en train d'échanger. Tout était incroyable, en fait. Et il n'y a pas eu beaucoup de jeux, beaucoup d'univers, même si je suis extrêmement sensible à tout ce qui est immersion en termes de sound design ou même de narration. Et c'est ce qui fait que je fais le métier d'auteur, hein, aussi. C'est cette capacité vraiment à plonger au sens propre dans la narration. Et il y avait vraiment un moment, une sorte de moment suspendu avec le sound design soit sur les voix soit en même temps sur le contexte et les sujets sur lesquels, même si on peut penser ce qu'on veut sur les prises de position des uns des autres ou l'orientation des avis des dialogues, mais
C'était vraiment superbe. C'était vraiment superbe. Ils sont très très forts. Et j'aime beaucoup ce que je vois. Hey, I know it's not much, but why are we stopped moving? The power blacked out for a moment. I think it could be the atmospheric pressure. It's pushing pretty hard, really testing the limits of my suit. Don't worry, it should hold. Comforting. It will hold. It's okay. Does time freeze when you're not powered? Time is emitted when it is. What's the difference? I don't feel like I'm being held back or hindered. And I don't have the opportunity to reflect on the time I'm missing. It's simply missing. Sounds like sleeping without the dreaming. Yes. But generally you anticipate when you're about to sleep, and there's a natural continuation since we tend to wake up where we went to sleep. My experience is more like an ever-changing moment that never really seems to find closure. Sounds kind of like a movie being tout est très bon. I suppose so. I guess it sounds exciting, but it really keeps me activated to the point of exhaustion. It's rough. Could be worse. Could be a time traveler stuck in a body made from black goo. Ah, l'armure n'est pas... Oh, aïe, aïe, aïe. What? You did it. You did it. I will make preparations. Bonne question, hein. Something dropped onto the cage. Numbs you right out. Spoke to me. Looks like a man, one of WoW's creatures. It just stared at you for a moment, then threw Mais non, itself ça s'est vraiment passé. It said it would make preparations. I don't like the sound of that. It was very strange. I thought it was gonna kill you for sure. I'm glad it didn't. Yeah, me too. Looks like we're closing in on the ocean floor. Good, not sure the climber can take it much longer. Okay, so this is the Omega Sector. It's about an acre of the Abyssal Plan used by Pathos 2. I expect we'll have to do some walking before we reach Tau. You haven't been here before? Not in a way that'll help us. Right, the other you has been here. We're following your old footsteps, Kat. When I had footsteps. You could still be down here somewhere. Don't remind me, freaks me out. Alright, let's head for Tau and find that arm. Oh, yeah, yeah, yeah. Mais regardez, regardez les effets, regardez comment c'est stylé. Mais... Le jeu date un peu, hein. Et Amnesia, j'ai toujours refusé d'y aller sur Amnesia. En me disant, je suis pas hyper nostalgique des anciens jeux. Et ça me convaincrait presque, en fait. Hein. C'est parti avec la catoche. Regardez. Oh, j'adore les... Alors je sais que il y a des gens qui sont extrêmement sensibles au fond des océans et tout ça, qui le vivent pas bien du tout. Je trouve ça incroyable, j'ai toujours été fasciné par ça. Moi, l'espace et le fond des océans sont deux choses qui me... C'est pas la même chose que ça, moi. Oui. Mon doute. Mais regardez comment c'est... Comment c'est couvert. Et alors les enlumards. Ah, qui est requis ça. Prélèvement d'échantillons, examen, évacuation, échec, transport. Ok. Ça marche pas. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Tau, come in, Tau.
Please answer, Tao. Ah oui, c'est mon film préféré. Let's move out. We'll try the next one. C'est cheaté. Ok, je peux courir. Ah, j'ai envie d'aller. Hein. Ça dépend que de moi. Tout est beau dans Alice. Ça explique bien des choses. C'est un robot, il est extrêmement lourd, hein, donc. Je sais pas ce qu'il fait, ça. Ok. Un objet, qu'est-ce que c'est que ça? Tout est immergé. C'est incroyable. Ah, j'aime pas trop beaucoup ça. Mystérieux. Franchement, c'est très étrange. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est les restes de quelqu'un. Stick to the lamplights, they won't go near them. I can't fail, Glasser. It's important I reach Omicron. Our future depends on it. Calm down. J'ai de rage. Let's just follow the path. If I die, I need you to tell Julia Dahl that the WoW is out of control. She needs to get to Sarang. He'll know what to do. Roz, you can tell them yourself. We just need to pick up the pace, okay? Yeah. Glass! We lost the path! We need to go back! I know where to go. Come on! It's over there! The light is over there! Final push, Roz. Almost there, we just... Ils sont tombés dans un blender. Faut que je fasse attention. Je garde à l'œil tous les thermomix que je croiserai. C'est incroyable. Je suis subjugué par l'ambiance et tellement porté par elle. Je suis extrêmement sensible à ça. Alors oui, Maya voit une carte. C'est tellement mystérieux. Oui, parce que je suis extrêmement sensible à la fois au sound design et la qualité à t'immerger. J'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été comme ça. Extrêmement... j'avais pas facile à m'émerveiller, mais je... J'aime être émerveillé, en fait. J'adore ça. Faut rester vers la lumière. Le dernier dinosaure. Ça m'a pas fait rire, ok? Sache que je suis au-dessus de ça. Non! Tu ne mourras pas! Pourquoi est-ce que je peux pas le... Je le développe du sol et j'y vais. C'est tellement bien fait. Enfin, tellement bien fait. Encore une fois, je parle pas de... en termes de... J'ai chant pour le show. Merci de Moon pour les 7 mois. Quel jeu, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Vous savez, c'est en faisant ce genre de jeu, après on se dit, mais est-ce qu'on va tomber sur d'autres jeux, d'autres univers, d'autres expériences vidéoludiques qui vont nous faire ressentir la même chose? Moi, je sais, quand j'ai fait Deus Ex, j'avais adoré, j'avais vraiment vécu le truc à fond. Inventaire, c'est principalement de la bouffe. Miam,
Miam. Miam. Bourré de sushi, hein. Ça, c'est ce qu'on entend. Ce sont les années, ça? Les dates? Élément 3, ok. C'est... Attends, j'ai un autre à faire là? Ah, c'est bon. Oh! J'ai... Ok. C'est tout éteint? Ah. Non, ça c'est ce qu'on vient de faire. Oh oh. Franchement, le jeu te fait penser qu'il y a un climat au fond de l'océan. C'est ouf ici. Je peux pas le ramasser là ou... Qu'est-ce que c'est? Je me demande si je vais par là, mais il y a. Là-bas, c'est la lumière, mais le truc, c'est que si j'y vais, là, on teste. Je suis le câble, hein. Aïe. Dépêche, Maya. Reste dans la lumière, Maya. On va rester vers la... Elle est incroyable, cette partie du jeu, elle est incroyable. Mais regardez. On vient de là. Wopa. Non. Ah non. Je suis avec de la lumière là. J'ai perché, hein. Bien tout seul. Merci. Allez. Franchement, en voyant la lumière bouger comme ça, j'ai trop la flippe. Je suis juste en train de me dire. À un moment donné, il y a une lumière qui va se décrocher. J'ai marché ! Ah ouais, attends, t'es clair, hein, c'est... T'as eu le nez creux, hein, quand tu as pensé que ça allait me plaire. Ok. Attention. Non, c'est ouf, c'est officiel. Mais non, c'est pas vrai, mais il y a de la lumière là, oh oui. Mais non. Mais qu'est-ce que tu... Tu triches là, oh. C'est pas vrai. C'est de la trichance, hein. Ça rappelle un peu aussi la qualité de narration de Blair Witch. C'est très rouge là-bas. Merci bien. Quoi. Oh non, ça sauvegarde. Ah, yeah, yeah, yeah. Vous aussi, ne mettez pas... les doigts dans la prise. Alors que la langue. J'ai pas vu de panneau. Tao, can you hear this? Anyone there? This is Tao. Who is this?
This is Ian Peterson of Theta calling. I got a team with me, and we're about half a kilometer from Tau. What? How did... You came in the climber? Listen, we're having a really hard time with this sector. Heavy turbulence is making it difficult to move forward, and the wildlife you got is absolutely rabid. The storm comes and goes. Instruments show the weather is relatively fair right now. You should move out as soon as possible. Stick to the lights. The critters should leave you alone. Favorable, favorable. All right, you heard the man. We're moving out, people. Tau, keep the doors unlocked. We're coming in. Bon, j'aurais dit un 5 sur 10 niveau favorable. Oh oui, oh, plongeons ce qu'il faut. Plonger dans la lumière. Je me sens beaucoup mieux. Ok. Attends. Hein? Ok. Ah! Non. Va pas trop vite, Michel! Non, non, non! Toi aussi, tu comptes tes secondes pour le kilométrage et tu te divises par quoi? Non! Oh, regarde pas, fais comme s'il était pas là! Il est vrai, sachant. Faut pas que je saute parce que si je saute, je ralentis. Oh mais quelle ambiance, quelle ambiance. Et je trouve ça tellement incroyable qu'ils aient renouvelé le qu'ils renouvellent le décor et tout. Je trouve ça tellement... Cyber Bibou ! Il s'est fait miam. Il s'est fait miamer. Oh. Plein d'aquachoupettes. Là, il y a de lumière. L'ambiance incroyable. Et au contact, ça donne quoi? Ouais, c'est pas méchant. Ça va, les petites choupinettes? Ça va, ça va? Alors, comme ça, on racle le fond des océans? Ça va, les filles? Si, si, mais avec un peu de chance, je l'ai contourné. C'est-à-dire qu'il m'a suivi, il est parti de l'autre côté, et normalement, on devrait pas se croiser. Parce que je l'ai trop mindé. Ouh, et il était là.
Je n'aime pas trop ce moment. Je n'aime pas trop ce moment. Petite lumière. Okay. Non, j'ai pas de parapluie, ça me dégoûte. Non. Ok. C'est tellement incroyable. Je suis. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'il n'y a pas tant de jeux comme ça qui, avec cette capacité de narration. Parce que on combat rien en fait dans le jeu. On n'a pas d'armes. Dans Blair Witch, il n'y a pas d'armes. Dans ça, il n'y a pas d'armes. Et pour autant, ça nous fait ressentir des choses dans nos interstices quand on vibre pas avec. Dans Fortnite. Prends ton temps! Prends ton temps! C'est quoi, hein? Écoute, vous ne savez rien qu'à faire. Bah, ok, après. Amnésia, je connais rien d'Amnésia, donc je ne peux que présumer et me baser sur son ancienneté en me disant qu'il. Étant donné que je ne suis pas hyper nostalgique des anciens jeux, et le rétro gaming pour moi. C'est quelle couleur la Mionko? Petit test. Oculaire. Voilà. C'est tellement beau, c'est. Et je sens que la morale, elle va être dure. Orbe. C'est fou. Je suis transporté par ça. Katoche. Travaille. Attends, je crois qu'on est arrivé à la destination. Aïe, aïe, aïe. Ça me donne envie de faire les Biochocs. Ça me donne envie de faire les Biochocs. Qui, malgré tout, est plus centré FPS, bien sûr. Inside. Let's find the Ark. On arrive à destination.